je suis automaticien. L'automatisme, c'est tout simplement donc faire fonctionner une installation de manière totalement automatique. Dans n'importe quel milieu industriel, toute pièce manufacturée maintenant fait appel à l'automatisme. La majeure partie de mon travail, c'est essentiellement d'analyser le besoin du client et ensuite réaliser le programme en conséquence. Je passe 80% de mon temps au bureau, avec donc 20% réservés pour les essais clients, pour la mise en service et donc ensuite pour l'assistance aux clients. Je travaille énormément pour les stations d'épuration. L'automatisme va commander directement l'ensemble des moteurs des pompes, va récupérer l'ensemble des informations physiques, la température, le débit, le niveau, et donc va rassembler toutes ces informations en entrée de l'automate et en sortie, suivant donc le programme que j'aurai établi. Je dois aussi développer la partie supervision. C'est tout simplement la représentation sous forme graphique de l'ensemble de la station. C'est aussi que l'exploitant puisse avoir quelque chose de simple devant les yeux. Pour moi, les qualités les plus importantes dans ce métier, c'est rechercher donc quelles sont les dernières technologies qui sont proposées. On n'est jamais sur de la routine, c'est toujours un challenge. Ce qui me plaît surtout, c'est s'apercevoir que le programme marche selon ce que l'on pensait. C'est très, très gratifiant. On propose à nos clients de faire des économies d'énergie. C'est-à-dire qu'on diminue les consommations d'énergie réactive et sur les forces motrices en installant des variateurs pour adapter la puissance électrique à la puissance mécanique, ce qui fait l'économie de la différence. À présent, à partir de mon bureau, je peux très bien intervenir sur des contrôles commandes d'installations distantes par le téléphone ou par Internet. Et ainsi, je peux modifier mon programme ou vérifier l'état de certaines variables à partir de mon bureau et donc de ne plus utiliser mon véhicule. On a de la chance avec les nouvelles générations de stagiaires. Ils sont beaucoup plus sensibles à cette notion de développement durable. Et donc l'idée qu'ils ont, par exemple, quand on produit une pièce, d'économiser les mouvements, les temps d'attente, de ne pas alimenter un moteur quand ce n'est pas nécessaire, ou de l'alimenter avec la puissance juste voulue, ça fait partie des messages qu'il faut faire passer. Alors concrètement, ça se traduit par la mesure des énergies, donc avec un matériel qui est spécifique, avec l'enseignement des techniques qui vont avec. Il est important que nos stagiaires soient sensibilisés au moment de la formation pour que quand ils iront développer des machines dans les entreprises, ils le fassent avec cette sensibilité-là et avec cette règle-là. Mais c'est vrai aussi que c'est une demande de l'industrie. Quand une entreprise demande la conception d'une machine, ça fait partie de nos jours du cahier des charges. Donc ça fait partie des règles qu'ils devront mettre en œuvre. Ce qu'on peut regarder ensemble, c'est vérifier qu'on a optimisé l'ensemble des mouvements pour éviter de faire de la consommation pour rien. Là, on voit qu'on a un problème puisque la pièce est arrivée à bon port, mais les rouleaux continuent à tourner. Ça, c'est de l'énergie qui a été consommée pour rien du tout. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure en automatique et informatique industrielle, c'est pour la dimension environnementale, optimiser la consommation énergétique des processus industriels en utilisant des technologies moins énergivores. C'est limiter les déchets et les nuisances en développant des applications de contrôle et de supervision. Pour la dimension économique, c'est travailler efficacement grâce à des outils et des méthodes de gestion de projet. C'est travailler avec qualité en appliquant les contrôles et les procédures qualité de l'entreprise. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale. Savoir travailler en équipe en échangeant avec les différents acteurs impliqués sur le projet. C'est améliorer les conditions de travail de l'utilisateur en développant l'ergonomie du processus et de l'interface homme-machine.